Bon, sauf ceux qui marchent sur la piste. Oh. Ah oui, en effet, ça fait un peu loin, là. Ça fait un bout, c'est... Oh, faut pas s'arrêter comme ça. Bon, allez, on se casse. Attente excessive, allez hop. Allez, salut à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de livraison. Donc là, on va faire 19h-22h30, à peu près, hein. Et on va voir ce qu'on a comme commande. Sachant qu'on est samedi soir. Hop là, me voici au QG. Hop, première commande. Bremen. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, toi, t'as qui? T'as bien rechargé ta voiture? Ouais. Parce que là, ce soir, ça va envoyer. Ah ouais, tu penses? Bah, déjà, je vois la. Là, voilà. Ah putain là, regarde, oh. Je vais rester jusqu'à minuit là. 23h. Alors, bah j'ai la commande de Bremen, est-ce que c'est prêt? Hop, attends, je vais me donner. Hop là. Vous pouvez leur demander la carte, hein, elle est... ils ont des cartes oui, classiques, ouais. Excuse-moi. Yes. C'est pour YouTube. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ton nom de chaîne de YouTube, c'est quoi? Ah, c'est... Attendez. Voilà. C'est... Ouais. Hop. Super, merci. Bon courage. On a une double commande chez Pokmi après. En espérant que cette fois-ci, il n'ait pas trop de soucis. Bonjour. Uber Eats. Uber Eats? Ouais. C'est la commande de Jen. Ouais, là. Bonjour. Hop, super. Hop, voilà, c'est validé. Merci, bonne soirée, au revoir. On va livrer d'abord Pokmi, ok. Allez, allez-y. Les gens, ils ont peur. Je ne vais pas leur rentrer dedans, hein. Bon, sauf ceux qui marchent sur la piste. Oh. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais ceux qui marchaient sur la piste là, genre ils étaient en train de marcher sur la piste, tu vois. Et donc, il y a une voiture qui est passée sur la flaque, qui les ont éclaboussés. Je pense que je l'ai pris en vidéo. C'était trop drôle. Et le mec il a lâché. Oh le fils de pute. On va l'appeler. Il fait trop bon, ça fait trop plaisir. Je sais pas combien de degrés il fait, mais là je suis bien. Là. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander le code, s'il vous plaît. Oui, ah, alors, 15. Ok, merci. 15,79. Et voici. Merci. Bon appétit, bonne soirée. Ok, nickel. Et Bremen, il descend aussi. Nickel. Et les... alors, ça a combien de kilomètres? Ah, bah, c'est 800 mètres, ça va. Ah, du coup, c'est même plus proche que ce que je pensais. Là, bonsoir. Vous êtes... Bremen, c'est ça? Bremen. Ah, ok. Et voici. Bon appétit et bonne soirée. Au revoir. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va retourner à Morigusto. À moins que ça sonne avant. Est-ce que c'est possible? Vu que là, c'est une soirée qui va s'enchaîner bien, normalement. 7,26€. Et bah, pour le temps qu'on a passé à la livrée, c'est très correct. Bon, j'ai sonné une autre commande d'un resto qui s'appelle Shiznan. Il est pas là le resto. Ah, c'est au 7. Je vais demander. Hein. C'est ici Ouais, ok. Hop, merci. Bonne soirée. Et maintenant, on va chez Bobon. En fait, je suis pas obligé, je crois. Parce qu'il y a une rue plus loin qui fait la... Ah, tiens, on m'appelle. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez une commande de Shiznan? Alors, attendez, j'ai pas entendu, dites-moi. Vous avez une commande de Shiznan ou pas? Oui.
Oui, j'ai une commande de Chiznan, oui. C'est votre adresse, c'est quoi? Actuellement, là, j'avais dit sur Ouais, j'ai le 74 boulevard de Port-Royal. D'accord, c'est pas du tout la bonne prise. Ah, d'accord. Ça, bah, ça dépend, c'est... Elle est où, votre... l'adresse? La vraie adresse? Alors là, c'est ici, hein. Parce que si c'est pas trop loin, je peux faire le déplacement, oui. C'est 70 rue Leblanc. Ah, attendez, je vais regarder ça. C'est dans le quartier ou c'est... Attends. Non, 70 rue Leblanc, c'est vraiment la rue, donc... Ah oui, en effet, ça fait un peu loin là. Ça fait un bout, c'est. Ouais, ça fait beaucoup. Bah, ok. Donc, je vais à cette adresse du coup. Ok. Merci. Pas de problème. A tout à l'heure. A tout à l'heure. 10 euros, je peux faire le déplacement en vrai. Ouais, je vais le faire. Putain, il faut. Là, on en a pour combien? 28 minutes. Allez, let's go. On va essayer de faire ça en vitesse. Mais là, vraiment, sans le pourboire, je crois que j'aurais pas fait le déplacement. Putain, en fait, je vais vraiment à l'autre bout de Paris, je m'en rends compte. Hein. En vrai, du coup, là, ça ferait une commande à... Ça ferait une commande à 15 euros pour une... 15 euros pour 6 km. En vrai, ça reste rentable quand même. Hein. En vrai, je pense que j'ai fait le bon move. En fait, je sais pas si on va exactement à Boulogne. Je crois qu'on va être juste à côté. Allez, j'ai fait juste la petite pause pour changer la batterie de la GoPro, parce que là... Putain, genre, tellement le trajet, il est long. J'ai pas assez de batterie quoi. Bon, c'est bon, nous reste 3,2 km. En vrai, ça reste rentable quand même. Parce qu'en gros, là, le client va me donner 10 euros en liquide. Je vais demander par la suite un réajustement à Uber pour le changement d'adresse. Pour me réajuster au maximum 3 ou 4 km, je crois, de tarif en plus. Donc ça fera dans les. Ça me fera normalement à la course payer 7 euros, plus le pourboire du client, ça me fera 17 euros. En vrai, ça reste rentable, c'est pour ça que je le fais. Comment ça tient tout ça? Comment ça tient? Ah bah, il faut apprendre, hein. Ça va pas, hein. Ouais, c'est comme les vélos, faut apprendre, c'est bon. Ça va pas dans le côté de l'autre? Non. Ça alors? Mais quand on va s'apprêter pas, c'est... On dit comment ça tient? Ouais, c'est ça. Ça impressionne. Oui. Le fil, je l'ai ouvert là ou pas? Oh, je vais y aller parce que le feu il passe pas au vert donc. Allez, bonne soirée. Merci. Bon là, pour ceux qui ne sont pas parisiens, on est sur les boulevards des Maréchaux, qui est donc en fait le boulevard qui fait tout le tour de Paris. C'est pas ici. Là c'est 76. 72. Bon, je vais dire que je suis là. Hein. Allô? Oui, donc je pense être arrivé. C'est le numéro 76 ou 74? Je suis le... Alors parce que là j'ai le numéro 76 et ça passe directement au 72. Je vois l'hôpital. Ouais. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a 70, 72 et après ça passe directement au 76. Attendez, j'ai une commande en même temps, puisque lui donne le code et. Ok, ça marche. Ouais, je veux bien, ça vous dérange pas? Merci. Ok, merci, à tout de suite. D'accord. Ok, je suis dans la rue. Bah, je ne vous vois pas. Attendez, je vais bouger. Vous êtes en face de l'hôpital, vraiment en face? Non, je suis dans la rue. Ah bah je suis là. Voilà. Bonsoir. Ça va, ah bah non, c'est limite plus rapide en fait. Ouais. Hop là. Oui, oui. Alors attends, hop. Merci beaucoup. Non, bah... Tiens, en fait, ouais. Ça m'embêtait de pas vous la livrer quand même. Hop là. Et voici. Ouais. Voilà. Ah oui, alors du coup, il y a besoin du code aussi, ah oui. Pardon. Alors, 49-59. Super, c'est tout bon pour moi. Bon appétit, ouais, merci. Bonne soirée. Ah oui, non, déjà, il y a un changement d'adresse, il descend, hein, désolé. Hein. Habituellement, je peux pas descendre les clients, mais là c'est bon, quoi. Attends, on est à 12 euros alors qu'on a fait la moitié de Paris. Mais bon,
Je vais déjà demander le réajustement là si j'ai un moment creux. Donc voilà, ça fera du coup 17 euros à peu près. Une commande Casa di Pepe. Alors celle-ci, elle est dégueulasse. Donc les commandes qui sont dégueu, je les prends pas non plus. Hein. C'est ça ? Alors j'ai la commande de Lucas, s'il vous plaît. 2-3 minutes, c'est là. Ok, ça marche. Non. Ok, ça va. Ok, pas de soucis. Ça marche. Ça va, ça bosse là ce soir, non ? Ouais, ouais, de ouf. Avec, la Ligue des Champions, là. Ah ouais. Ah, c'est pas trop le bordel dans Paris. Ah si, si, si. De ouf. Ouais, la circulation, elle est mais là, n'importe quoi. Franchement, là, je vois, t'es bien. Là. Ouais, ouais, de ouf. Tu passes tranquille, là. Ouais. Ouais, tout à fait, c'est ça. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Hop là. Ok, bon courage. Hop, merci beaucoup. Bah, toi aussi, bon courage. Ah oui, c'est une grosse commande en fait. Hein. Du coup, je sais pas si je prends la deuxième en fait, du coup. Ouais, du coup, je vais pas la prendre celle-là, fait chier. Ça fera trop d'articles. Vas-y, vas-y. Bonsoir, c'est Lucas, c'est ça. C'est ça. Alors, je vous donne déjà cela. Et voilà. Merci. Bon appétit. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Donc là, en théorie, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà fait nos 30 euros. Si tu comptes 17 euros plus 18 euros, on se rapproche. J'ai la commande de Edouard, s'il vous plaît. Ok. Edouard. Ouais. Hop là. Merci, bonne soirée. Au revoir. Vous savez que je sais même pas qui est-ce qui joue au foot ce soir. Je suis tellement déconnecté que ça. C'est incroyable. Bonsoir. Bonsoir. C'est à quel étage, s'il vous plaît ? Troisième. Troisième, ok, merci. Ah, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous demander le code. 6568. 68. Et voici. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. Et maintenant, on va à la Vittoria. En fait, voilà, c'est ça que je veux en fait. C'est des commandes qui s'enchaînent et des commandes pas loin quoi. Ah, bonsoir. Hop là. Enriga, ça ? Oui, c'est ça. Hop. Merci, bonne voilà. Soirée. Merci, bonne soirée, au revoir. Ah ok, ok ça marche. Elle m'a parlé de la fenêtre MDR. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre prénom s'il vous plaît. C'est à quel nom la commande? Riga. Juste le prénom, c'est bon. Hop. Et voici. Merci. Bon appétit, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. On est à 26 euros. Oh, faut pas s'arrêter comme ça. Salut. Bonsoir, salut, ça va? J'ai la commande de Yvan. T'as que Yvan ? Ouais, que Yvan. Merci. À toutes. Ouais, que Yvan, mais elle est à côté en plus, donc nickel. Comme ça, on enchaîne en fait. Bonsoir. C'est Yvan. Ouais, juste le code à 4 chiffres. Ouais, c'est 9218. 9218. Super, merci. Et voici. Merci. Bon appétit, ouais. Bonne soirée. Et ma batterie elle est même pas en PLS hein. Même pas. Pourtant je vais traverser tout Paris aller-retour. McDonald's. Aïe aïe aïe. J'aime pas les prendre. Il n'y a qu'un menu. Je vais aller voir. Je vais aller voir si c'est prêt. Mais vraiment si l'attente dépasse 5 minutes je me casse hein. Ça fait combien de temps que t'attends? Ouais, 4 minutes. Moi, c'est la 22 1FD. La 02 22. Ouais. La 02, elle est juste là. Excusez-moi, vous savez combien de temps ça va prendre à peu près ou... 5 minutes, même pas, il y a 5 minutes. Ok, ça va.
Ouais, c'est pour la sécurité sur la route et tout, ouais. Ouais, mais je ne sais pas du tout. Ah bah attendez, regarde. Voilà. Bon, allez, on se casse. Attente excessive, allez hop. Elle m'a dit 5 minutes. Là, ça fait 7 minutes. Ah, et McDo, c'est ça, hein, quand c'est les rushs, c'est pas le bon truc de prendre des commandes. De toute façon, là, en soi, je suis déjà, en comptant le pourboire et la commande, au total, on s'approche quand même des 50 euros, donc c'est pas... C'est, ça va, c'est pas dégueu, quoi. 50 euros, presque. Enfin, on va dire 45. 45 euros. 45 euros en 7 courses. Honnêtement, ça va. Encore une fois, en ce qui concerne la tarification à Paris, hein, évidemment. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker, de vous abonner, enfin, tout le truc, hein, tout le tralala. Et bien, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!